Bonjour à chacun de vous. Je vous propose aujourd'hui une méditation sur notre connexion à la lumière qui me paraît particulièrement importante dans ce que nous vivons et à l'approche du nouvel an prochain. Voilà, donc pour cela, je vous conseille de vous installer du mieux possible. Prenez attention à votre dos qui nécessite une verticalité pour que l'énergie divine puisse descendre plus aisément dans votre corps, qu'elle puisse le traverser et se répandre sur la terre mère en dessous de vous. Vos mains en réceptivité tournées vers le haut se déposent sur vos cuisses. Les yeux de préférence fermés pour plus de concentration et aider à la visualisation. Un corps qui se détend au fur et à mesure des respirations profondes et régulières. Vous-même, trouverez votre rythme confortable. Prenez votre temps. Maintenant, une attention se porte sur le visage. Le front se déplisse doucement. Il devient plus lisse. Les muscles autour des yeux les joues les mâchoires sont souples la langue se dépose librement dans la bouche. Le menton est relâché. Tout le visage se détend de plus en plus au fur et à mesure des respirations profondes et conscientes. Le cou se décrispe et les épaules sont tirées vers l'arrière et s'abaissent. Elles se posent tranquillement. La cage thoracique se relâche amplement au rythme des respirations. Le ventre se libère, souple. Le bassin tout entier se relâche.
la colonne vertébrale, bien qu'étirée et droite, respire. Les bras, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts sont détendus et reposent sur vos cuisses. Les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds et les orteils sont lourds. Relâchez amplement sur le sol. Tout le corps est abandonné maintenant au bien-être, dans une profonde relaxation. Notre respiration maintenant se poursuit à son rythme naturel et nous laissons aller. Je vous propose de vous concentrer au sommet de votre tête, là où se trouve votre chakra de la couronne, au sommet du crâne. Nous envoyons les énergies du souffle au sommet de notre tête à chaque expiration. Notre concentration se focalise en cet endroit, le sommet de notre tête. Et progressivement, nous pouvons ressentir de la chaleur et ou percevoir une couronne dorée qui se trouve là sur notre tête. Par la focalisation en ce point et la respiration guidée, notre chakra couronne s'ouvre afin de laisser passer l'énergie divine depuis sa source. Là, il est possible de ressentir une fontaine blanche éclatante, lumineuse, qui jaillit depuis la source divine, pénètre par notre chakra couronne, s'écoule dans notre corps, puissamment réchauffé, énergisé et vivant, vibrant, jusqu'au chakra du cœur. Alors, nous pouvons ressentir son rayonnement amplifié au chakra du cœur qui s'expanse
tout autour de nous sur un grand périmètre. Voyez, sentez cela. Revenons simultanément à notre respiration profonde qui nous guide. Puis la fontaine lumineuse éclatante s'écoule et se répand au-delà de notre corps dans la terre. Là, notre corps et la terre sont nourris de cette essence divine. Un état de plénitude s'installe, indéfinissable. Goûtez cet instant de paix intense. Une joie sans objet. Et une sensation de légèreté. Je suis connecté à ma source. Un sentiment d'amour pour le tout. Prenez votre temps pour vivre ce qui se passe en vous. Maintenant, je vous invite à continuer de respirer profondément et consciemment tout le long de ce vécu, avec notamment une attention particulière aux expirations plus longues. Maintenant,
depuis le chakra du cœur, j'inspire et je remercie pour cette expérience puissante. Exprimez de la gratitude pour cet état profond qui s'enracine maintenant en vous. Cela m'aidera quand je vivrai des moments difficiles. Je saurai que je peux retrouver, engrammé en moi, cet état d'être qui est mon essence. Nous reprenons contact avec notre respiration pleine et entière. Nous pouvons respirer fortement et souffler à l'expiration. Il s'agit d'évacuer tout ce qui est à abandonner. Et bientôt, nous revenons tout doucement à notre corps physique. Nous pouvons bouger nos mains, frotter nos mains l'une contre l'autre, puis les passer sur notre visage. Plusieurs fois. Nous pouvons bouger nos orteils, nos plantes de pied. Nous pouvons bouger doucement notre corps. Puis, quand vous vous sentez prêt, et chacun à son rythme, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. La méditation est terminée. J'espère que ce moment a été serein, paisible, plein d'énergie, une joie qui a pu
s'inscrire en vous. Notre connexion à la lumière est importante. Il est important de refaire cette méditation si vous la sentez bien pour vous, pour aider à cette connexion à la lumière tellement importante dans ce que nous vivons actuellement, d'instabilité. Je vous souhaite une bonne journée, une belle journée à chacun de vous. Et je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.